C'est un moment important pour les marchés, donc cette saison des publications de résultats qui s'ouvrent de part et d'autre de l'Atlantique et l'occasion de voir justement l'impact de cette crise sanitaire sur les comptes des multinationales. Bonjour Lorenz. Bonjour David. Lorenz Laffont, rédacteur en chef de La Lettre d'investissement. Propos utiles, on a eu la phase de panique, on a eu la phase de rebond. C'est une nouvelle phase, on a envie de dire, qui s'ouvre avec ces publications trimestrielles. On en parlait juste avec Patrick Artus, qui misait sur les bénéfices attendus sur 2020. Europe, États-Unis, on attend entre, lui, il misait moins 35%. Pas rien, hein. Sur l'exercice, Sur 2020, ouais. oui, on va changer complètement. Je pense que la nature du marché va vraiment évoluer au cours des prochaines semaines. Parce que c'est vrai que après avoir ignoré le coronavirus, le marché a paniqué. Il y a vraiment une chute extraordinaire. Derrière, on a un rebond qui est lié à cette panique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, avec l'action des banques centrales et un pessimisme extrême des investisseurs, il y a une forme de capitulation qui a eu lieu. Donc on a rebondi. C'est une réaction suite à la baisse, mais on est resté dans le flou au niveau des chiffres et les publications vont nous permettre d'y voir plus clair. La preuve, c'est que les corrélations pendant la baisse et le rebond qui a suivi, la corrélation entre les actions était extrême. C'est-à-dire, historiquement, on a rarement vu des actions évoluer toutes dans le même sens à ce point-là. Là, ça va forcément évoluer. On va avoir un tri qui va s'opérer, une plus grande sélectivité, et on va pouvoir mettre enfin des chiffres sur les bénéfices des entreprises et sur les Ben valorisations. oui, parce qu'on a essentiellement parlé jusqu'à présent d'impact macroéconomique. Voilà, maintenant, on aura les comptes des entreprises, on pourra découvrir, j'ai envie de dire, la réalité. Oui, ça va être tout Des autre. paumes, en C'est-à-dire, tout cas, des. tout à fait. On était effectivement dans la macro, on était dans le sanitaire également. On suivait énormément les chiffres de l'épidémie pour voir si le pic allait se dessiner, ce qui semble être le cas dans les pays occidentaux désormais. Là, on va se concentrer sur les entreprises. Première question qui va être posée à toutes, c'est l'impact donc sur le chiffre d'affaires. Mais derrière le chiffre d'affaires, et c'est là où il y a un plus grand intérêt des investisseurs, c'est la capacité de ces entreprises qui vont voir leurs revenus baisser à limiter l'impact de la baisse de revenus sur leur rentabilité. Vous perdez 1 000 euros de revenus, quel va être l'impact sur les profits? Toutes ne sont pas sur le même niveau de réactivité, de flexibilité. Et là-dessus, c'est essentiel parce que c'est quand même les bénéfices et les éventuelles pertes qui vont déterminer le nouvel endettement de l'entreprise derrière et qui vont faire évoluer les ratios. Donc, de ce côté-là, il y a d'énormes attentes de la part des analystes. Vous allez également avoir à suivre la politique actionnariale des entreprises qui va évoluer. On sait que depuis de nombreuses années, les rachats d'actions alimentent la hausse des cours. Avec les difficultés actuelles, la baisse des profits attendus, les rachats d'actions sont mis entre parenthèses. Ça, c'est déjà annoncé. Mais vous avez également les dividendes. Alors, on a un prisme un peu franco-français. C'est-à-dire qu'ici, on a déjà vu énormément de baisses de dividendes. 25, 30%, parfois des suspensions totales. C'est pas toujours, à mon sens, justifié, dans le sens où on a des entreprises très saines qui ont réagi dans ce sens-là, sous la pression politique. C'est pour ça que je parlais des phénomènes franco-français. On voit qu'à l'étranger, il y a moins de réactions à la baisse sur les dividendes, moins de suspensions, en tout cas pour l'heure. En France, ça a été assez violent. Donc, là aussi, il y a beaucoup d'incertitudes. On attend de voir comment les entreprises vont publier et annoncer leur décision là-dessus. Et vous avez également les prévisions. Lorsqu'on a une publication de résultats, on a les chiffres du trimestre, mais on a également la prévision pour les mois à venir. Qu'est-ce qu'on attend Et justement? Quelles là, sont les prévisions aujourd'hui? Moi, je retiens juste ce que m'a dit, ce que j'ai vu par ailleurs aussi, sur l'année, en tout cas sur 2020, on attend entre 30 et 40% de baisse des résultats, oui, alors ça, ce qui est c'est juste global sur d'une violence l'année. rare. Oui, alors ça, c'est fait un peu en tirant un trait assez large sur les prévisions macro, donc on détermine ça globalement. Quand vous regardez en détail des prévisions actuelles sur les entreprises, déjà, il y a eu une forte révision sur les 3 derniers mois de moins 10% des estimations. C'est exceptionnel, ce n'était plus arrivé depuis 2009. Quand vous regardez le détail sur le premier trimestre, on attend moins 7,5% sur le marché américain, sur le S&P 500, et moins 16% sur le Stoxx 600 en Europe. Donc déjà, vous avez un écart de 10 points entre les États-Unis et l'Europe. Ça justifie parce que l'épidémie est d'abord arrivée Ouais. sur le continent plutôt que sur l'Amérique. Moins 7,5 aux États-Unis, ça paraît quand même un petit peu optimiste. On a hâte de voir le détail, mais ça tiendra, pardon, probablement pas. Sur le deuxième trimestre, et là c'est en termes de prévision, on verra comment ça va être ajusté, mais sur le
deuxième trimestre, on attend moins 19 sur le S&P 500 aux États-Unis, donc, et moins 30 en Europe. Là encore, la surperformance, on va dire, attendue du marché américain avec moins 19 seulement pour moins 30. Reste à prouver, parce que pour le coup, et comme vous l'évoquiez avec Patrick Artus, l'économie américaine est plus sensible au cycle et l'effet sur la consommation va se sentir dès le deuxième trimestre avec des revenus en forte baisse pour les Américains. Il y a plus de flexibilité, on va dire, pour les entreprises, mais ça se ressent également pour le consommateur aux États-Unis. Donc le moins 19, là encore, je trouve que c'est un petit peu optimiste. Et après, sur le troisième trimestre, ils attendent déjà une baisse moindre, moins 7,5. Donc le trou d'air serait au deuxième trimestre. Cette attente des marchés séquentielle sur trimestre par trimestre, elle est crédible, elle est raisonnable ou c'est trop optimiste pour vous? Moi, je pense que sur le marché américain, c'est trop optimiste. Sur le marché européen, on a des fortes révisions très marquées. Sur le marché américain, alors c'est vrai que le poids de la technologie aide, car la technologie pour l'instant reste, en tout cas dans les estimations, en croissance. Mais ça paraît quand même difficile. Et c'est pour ça que je pense que le flux de nouvelles sur les publications à venir risque d'être plutôt négatif. On a vu les banques hier soir aux États-Unis qui ont publié, les premières banques. Et alors, ça donne quoi? On a eu JP Morgan et Wells Fargo. Ça donne que les bénéfices ont fondu comme neige au soleil parce que d'importantes provisions ont été passées. Et ils passent des provisions pourquoi? Parce que les cartes de crédit des consommateurs américains vont faire défaut dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et donc ça, forcément, ça va jouer et ça annonce en tout cas un deuxième trimestre très difficile aux États-Unis. Donc c'est pour ça que le moins 19, il est peut-être un petit peu encore haut en termes d'attente sur le S&P 500. Donc cette phase de stabilisation sera sujette à OK, encore une fois, au gré des annonces qu'on va avoir et de pouvoir mesurer les pots cassés, entre guillemets, pour les entreprises. Exactement. Vous allez avoir de fortes disparités entre les secteurs. De fortes disparités. Aujourd'hui, par exemple, l'énergie est attendue est le secteur le plus attendu en baisse. On est sur des estimations à moins 48%. De baisse des profits au premier trimestre. Voilà, exactement. Ouais. Les matières premières, la consommation non essentielle, tout ça est attendu en forte baisse. L'industrie est à moins 20. En revanche, vous avez encore les utilities, donc les services aux collectivités. Ouais. Vous avez la santé, la technologie qui sont attendues encore en croissance sur le premier trimestre. Ça ne tiendra probablement pas au deuxième. Mais voilà, vous avez des fortes disparités. Pour revenir à ce que je disais au début, c'est vraiment un nouveau marché qui s'ouvre. Un marché plus dans la réflexion plutôt que dans la réaction, comme ça a été le cas ces dernières semaines. Avec plus de discrimination et de séparation du bon grain et de l'ivraie. Exactement. Ouais. Une moindre corrélation entre les titres. Et vu que le flux de nouvelles devrait quand même se gâter, on aura probablement un CAC 40 qui est plutôt sur le haut de sa borne actuelle, on va dire. On le voit plutôt revenir entre 4000 et 4005 plutôt que vraiment poursuivre sa hausse vers les 5000. Allez, on en reparlera. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Laurence Lafont, rédacteur en chef de Lettres d'investissement, propos utiles. Merci, bonne journée. Bye. À bientôt. Bye.